Je suis reconnecté. Est-ce que vous avez tous accès? Vous avez tous accès aux diapos, à la conversation? Oui? D'accord. Donc, comme je l'ai dit, l'évaluation de l'état nutritionnel. Donc, pour attester, confirmer un diagnostic de dénutrition, d'insuffisance pondérale, on va faire en quelque sorte une évaluation de l'état nutritionnel. Et cette évaluation de l'état nutritionnel d'un enfant va se faire soit, bien sûr, en prenant les mesures de l'anthropométrique. Vous avez peut-être vu la croissance avec Dr Selim, donc elle vous a parler des mesures du poids, de la taille notamment, les mesures du périmètre crânien. On peut également réaliser d'autres mesures comme le périmètre brachial qui peuvent être également utiles. Et ces mesures, ce qu'on appelle les mesures anthropométriques, il s'agira bien sûr de les rapporter sur des courbes, ce qu'on appelle des courbes de croissance. Là aussi, je pense que Dr Sini peut-être vous en a parlé, vous avez eu un aperçu. Ces courbes de croissance, elles sont différentes. Donc, elles existent pour différents enfants, en fonction bien sûr des pays. Chaque pays a ses propres, parfois des propres courbes de croissance. Et puis, l'OMS a élaboré des courbes de croissance afin qu'ils puissent être utilisés par tous. Vous savez que les enfants, et puis dans la constitution la corporelle. Donc là, les enfants, du fait de la génétique de chaque race, la croissance n'est pas pareille d'un pays à un autre. Hein. Donc les Européens n'ont pas la même croissance, la même corpulence que les Africains et de même pour les Asiatiques. Donc là, l'OMS a essayé un peu de standardiser, d'homogénéiser tout le monde et de faire des courbes de croissance en prenant des mesures, en prenant différentes populations en Amérique, en Afrique, en Asie, en Europe, pour faire ces courbes de croissance qui puissent être utilisables par tous les pays. En Algérie, puisqu'on ne dispose pas de nos propres courbes de croissance, on va se référer à ces courbes de l'OMS que vous avez ici en image. Ces courbes de croissance, vous pouvez les retrouver qui sont graduées soit ce qu'on appelle en percentile. Donc, on vous voyez ici en percentile, donc vous avez du 3e jusqu'au 97e percentile, ou bien elles sont graduées en DS ou en écart-type. Donc, ici, c'est en DS, en écart-type, et vous avez de moins 2 jusqu'à plus 2 DS ou écart-type. D'accord? Donc, entre les deux courbes rouges représente la zone de normalité en quelque sorte. Donc toute personne, tout enfant qui se situerait dans cette zone-là est considéré comme normal également ici, entre les deux courbes rouges. Donc il se pourrait que vous ayez des courbes à votre disposition qui ne soient pas colorées, donc en couleur. Vous prenez comme un repère toujours le troisième percentile qui est le repère inférieur, le seuil le plus bas, et le 97e étant le seuil le plus haut pour ce qui est des courbes qui sont graduées en percentile. Pour les courbes qui sont graduées en DS, en déviation standard ou bien en écart-type, les repères, c'est le moins 2 et le plus 2. DS ou écart-type. D'accord? Donc, comment va-t-on repérer ces enfants-là? Vous avez ici en bas l'âge de l'enfant et vous avez ici sur le côté le poids ou la taille. Donc, ça dépend si c'est une courbe de poids ou de taille. D'accord? Donc, vous avez ici les poids, 2 kg, 4 kg, 6 kg, 8 kg, etc. D'accord? Et lorsque c'est de la taille, vous aurez des mesures en centimètres. D'accord? Donc là, par exemple, si on prend un enfant qui est âgé de 1 an, donc s'il pèse à peu près 10 kilos, d'accord? Donc on essaie de faire correspondre 1 an avec 10 kilos. On obtient un point ici, d'accord? Donc un point ici, d'accord? Si on prend par exemple un nourrisson de 18 mois, donc c'est ici à peu près 18 mois, 1 an et 6 mois. Et s'il pèse par exemple 11 kilos, on va dire 11 kilos, eh bien on sera ici à peu près également, d'accord? L'essentiel, à chaque fois que l'enfant se situe dans cette zone-là,
eh ben, il sera considéré comme ayant une croissance normale, ayant donc être ce qu'on appelle donc ayant un point donc anormal ou bien une croissance donc anormale. Mais parfois, se situer donc là dans cette zone-là, donc là n'est pas suffisant pour attester que l'enfant a une croissance donc là régulière, donc ou n'a pas d'insuffisance donc là pondérale. D'accord? Donc un enfant peut être dans cette zone-là, mais il faut qu'on ait plusieurs mesures pour attester de la régularité de la croissance. Donc là, si on a une seule mesure qui est faite dans le temps, ça suffira pas. Même si elle se situe donc dans une zone de normalité, on peut deviner, on peut déduire que l'enfant est potentiellement normal, mais ça ne nous apporte pas plus de précision par rapport à toute sa croissance, comment a été sa croissance donc là, durant donc les premières années de sa vie. D'accord? C'est pour ça que l'idéal serait d'avoir plusieurs mesures dans le temps. Pour ça, je vous ai dit, donc c'est important donc, de suivre l'enfant qu'il soit malade ou pas malade, même s'il est tout à fait sain, à l'occasion par exemple des vaccinations, au PMI, à l'occasion des consultations, ne pas hésiter donc à prendre le poids et la taille pour comme ça on aura une idée tout au long de sa vie qu'on ait une mesure, plusieurs mesures qui sont rapportées sur cette courbe-là et ça nous donne une idée sur la régularité de la croissance. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une mesure, donc d'être dans une zone de normalité, il faut en plus que cette prise de poids ou cette croissance soit régulière. D'accord? Donc, tout ralentissement, je vais vous montrer donc un exemple qui sera plus parlant. Donc, vous avez ici donc un enfant chez qui qui a été mesuré régulièrement au cours de sa vie. Donc, les mesures donc, de poids et de taille ont été prises donc, là, régulièrement donc, au cours de sa vie. Donc, là, vous avez ici donc, la courbe donc, là, de poids. Vous avez ici une courbe de taille. D'accord? Donc, vous avez donc, les poids qui sont ici inscrits. Et vous avez donc là, les tailles. Donc, à chaque fois que l'enfant grandit, donc, on va reporter donc, là, les différentes mesures. Donc, ça nous permet donc, là, de tracer, d'avoir comme ça donc, une courbe, une idée sur la croissance. Donc, voyez-vous, donc, en traçant donc, là, la courbe, de quoi s'aperçoit-nous? De quoi peut-on constater? Eh bien, on va constater que ici, à un certain moment, il y a une cassure donc, là, de la courbe. Vous voyez bien donc, là, que cette courbe-là n'est pas aussi régulière qu'elle ne l'a été au début. D'accord? Vous voyez ici, par contre, on a que la courbe de taille qui est très parfaitement régulière. Voilà, d'accord? Donc, il y a une croissance qui est parfaitement régulière. Par contre, ici, au niveau de la courbe donc, la pondérale, on a une cassure ici de la courbe pondérale. D'accord? Donc, on peut parler de cassure, on peut parler aussi d'infléchissement ou bien de changement de couloir. Vous voyez, donc, on a été censé évoluer ici, à peu près ici, comme ça. Eh bien, on voit qu'il a changé donc, là, de couloir. D'accord? Il l'amène ici. Donc, certes, donc, il est toujours dans la zone de normalité. Donc, voyez-vous, donc, on a l'importance donc, là, de la régularité, l'importance de la courbe de croissance. Imaginez que cet enfant-là n'a jamais eu donc, là, ces mesures-là. Imaginez que cet enfant-là est vu pour la première fois ici, donc à l'âge, par exemple, donc, là, de 20 mois. D'accord? Vous prenez son poids et sa taille. D'accord? Vous apercevez qu'il est dans la zone de normalité, là, quand même. Donc, il est toujours entre donc, les deux courbes rouges, entre le moins 2 et le plus 2. D'accord? Vous pouvez conclure donc à tort que cet enfant-là n'est pas en insuffisance pondérale. Vous pouvez conclure que cet enfant-là est rassuré la maman donc, et dire que cet enfant-là est en parfaite santé, donc il a parfaitement grandi. Sauf que vous n'avez pas toutes les données antérieure. Vous ne savez pas comment a grandi réellement cet enfant, comment a pris du poids. Donc, quand vous tracez, quand vous avez donc les renseignements, là, vous pouvez vous apercevoir que, eh bien, finalement, cet enfant-là n'est pas aussi bien qu'on le pense, puisque là, il était censé grandir comme ça régulièrement. Normalement, il aurait dû continuer comme ça, continuer donc sa croissance de façon régulière. Or, vers l'âge donc là, de 1 an, on s'aperçoit qu'il a cassé sa courbe donc là, de poids et qu'il prend moins bien donc là, de poids. Donc là, on se pose la question, on se dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'arrive-t-il donc, à cet enfant? Que lui est-il arrivé vers l'âge de 1 an? D'accord? Et là, vous commencez à poser la question à maman. Vers l'âge de 1 an, que s'est-il passé? Est-ce qu'il a commencé à manger moins bien? Est-ce qu'il a commencé à avoir des symptômes digestifs? Avoir de la diarrhée, des vomissements? Est-ce que, d'accord, là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Est-ce qu'il est tombé malade? Est-ce qu'il est resté longtemps hospitalisé? Donc, vous essayez de trouver dans quelles sont les causes qui ont conduit à cet infléchissement pondéral. D'accord? Vous avez compris. Donc, si vous avez donc une seule mesure dans le temps
vous n'avez aucun renseignement sur l'antériorité donc là, de la croissance de l'enfant, vous ne pourrez pas juger de la régularité. Donc si, par exemple, cet enfant-là, prenons l'exemple que cet enfant-là n'a pas été, n'a pas inquiété donc là, le médecin à ce moment-là. Donc si l'enfant donc là, n'a pas été pris en charge donc là, à ce moment-là, et si on ne s'est pas aperçu donc là, de cette cassure, de cet infléchissement donc là, quand même qui pose problème, eh bien, l'enfant peut continuer donc là, à infléchir donc là, sa courbe de poids. Vous voyez bien qu'il continue donc là, à casser sa courbe donc, et il se retrouve donc là, dans cette zone-là complètement donc, en insuffisance donc là, pondérale, dans un état d'insuffisance pondérale sévère. D'accord, et puis, que remarquez-vous? Eh bien, vous remarquerez que une fois donc là, le poids, une fois qu'il y a un infléchissement donc là, si un état de dénutrition se prolonge donc là, dans le temps, eh bien, il finit par retentir également sur la taille. Donc secondairement, vous avez toujours un décalage dans la cassure. Vous avez donc une cassure également dans la courbe donc, la staturale qui survient si l'enfant n'est pas pris en charge, et si la cause donc là, de dénutrition persiste, et si l'enfant est toujours malade et que ça s'améliore pas, eh bien, il finit donc bien sûr, il aggrave. Il y a une aggravation de la cassure pondérale et secondairement, après un décalage donc là, de quelques mois, eh bien, également, on va observer également une cassure, donc une moins bonne croissance de la staturale également qui peut également s'observer avec le temps. Et ça se voit donc là, lorsqu'on est dans une chronicité, dans une dénutrition qui est chronique. Donc, l'évaluation de cette année nutritionnelle, donc, bien sûr, peut reposer également sur le calcul d'un certain nombre donc, d'indices donc, que je vous ai donc, énumérés ici. On va les aborder un par un. Donc, vous avez tout d'abord donc, l'indice qu'on appelle l'indice donc, de masse donc, corporelle, donc l'IMC, donc, qui est le poids sur la taille au carré. D'accord, donc, vous le connaissez tous. Donc, là, chez l'adulte, cet IMC-là est fixe, tandis que chez l'enfant, donc, il est variable. Et on a besoin donc, de courbes pour juger donc là, cet IMC. Donc là, chez l'adulte, il se situe entre donc, 18 et 25, c'est-à-dire donc, un adulte qui a normal est censé avoir un IMC entre 18 et 25. Un IMC inférieur donc, à 18 fait considérer donc, la personne comme maigre, donc en état de maigreur, et un IMC au-dessus donc, de 25 la fait considérer comme en surpoids ou en obésité. D'accord ? Pour ce qui est donc là de l'enfant, ce n'est pas, la situation n'est pas aussi figée. Donc il faut utiliser donc là une courbe, puisque donc là, l'IMC de l'enfant varie avec l'âge. Ça varie avec l'âge. Donc vous avez donc là un pic donc là de corpulence donc là, donc vers l'âge donc là de 1 an. Donc vers l'âge, donc je ne vous ai pas mis ici donc là, l'âge, mais généralement c'est vers l'âge donc là de 1 an. Donc l'enfant donc là, prend beaucoup de poids, donc il devient un peu grassouillé, un peu potelé donc là, vers l'âge donc là de 1 mois, de 1 an. Puis son IMC donc là, baisse jusqu'à donc là, 6 ans. Donc là, on est obligé, donc, là, lorsqu'on calcule l'IMC chez l'enfant, de le reporter sur la courbe. Et si on se situe donc, là, dans cette zone-là, eh bien, l'enfant donc, il est considéré donc, en dénutrition. D'accord, donc on ne peut pas juger, donc, ce ne sont pas des chiffres qui sont figés, qui sont constants. Donc on est obligé d'utiliser donc, là, une courbe également pour l'IMC, de même que pour le poids et la taille. On a d'autres indices qu'on peut utiliser. Nous avons donc, notamment donc, l'indice qu'on appelle l'indice donc, là, de Gomez. L'indice de Gomez, donc là, il s'agit donc là de diviser donc là, le poids de l'enfant sur le poids attendu donc là, pour l'âge. Et vous avez une classification pour ça. Hein. Lorsque vous obtenez donc là, le résultat, vous le rapportez donc, sur un tableau donc, et ça vous permet donc là, de classer donc là, la sévérité de la dénutrition. Je vous mets donc là, comme ça donc, un exemple pour que vous puissiez comprendre mieux. Donc le poids de l'enfant sur le poids idéal ou bien le poids donc attendu pour l'âge, c'est quoi? Donc vous avez par exemple un enfant qui pèse 8,5 kg, donc il a l'âge donc là, de 18 mois, d'accord? Donc l'âge de 18 mois, donc ça le situe ici. Donc vous avez ici, donc là c'est un enfant donc, chez qui il y a eu donc, également une prise régulière de poids. Hein. Vous remarquerez qu'il y a également un infléchissement, hein, donc il y a une cassure là aussi donc, là, de la courbe de poids, d'accord? Et pour essayer donc, là, de classer si on utilise donc, l'indice donc, de Gomez pour classer donc, là, cet état de dénutrition, eh bien, on va diviser donc, là, le poids de l'enfant actuel, qui est de 8,5 kg, par le poids idéal pour l'âge. Et là, on prend toujours l'âge de l'enfant qui est de 18 mois. On essaie de voir son poids attendu, le poids attendu, bien, le poids idéal d'un enfant donc, là, de 18 mois. Et pour ce faire, donc, il faudra extrapoler toujours sur la courbe du milieu, la médiane, ce qu'on appelle la médiane ici. D'accord? Donc la médiane. Si on revient à nos courbes de l'OMS,
C'est celle-là, hein. C'est celle qui est au milieu. Je vous mets, voilà, ici, donc la celle du poids et de la taille. C'est toujours donc la courbe donc là, du milieu. D'accord? Donc là, le zéro, c'est le zéro lorsque c'est gradué en déviation standard. Et c'est le 50e percentile. C'est le 50e percentile lorsque c'est gradué donc là, en percentile. D'accord? Donc toujours, donc on essaie de trouver, donc là, d'extrapoler, donc là, de rechercher, donc là, ici, donc là, la médiane, donc la moyenne. Qu'est-ce qu'aurait pu être le poids donc, de cet enfant-là. Et là, on obtient donc, les 10,5 kg. C'est-à-dire donc cet enfant donc, là, de 18 mois, normalement, devait peser 10,5 kg. Donc, et comme ça, donc, on va diviser donc, le 8,5 kg sur 10,5 kg et on obtient 0,8, ce qui est de 80%. Et si on revient ici à notre tableau, 80%, donc on est là. Donc on est dans une dénutrition donc, là, légère. D'accord? Ça, c'est le Gomez. Donc, là, sauf que le Gomez, donc la classification donc, là, de Gomez, cet indice donc, là, de Gomez, donc, ne prend pas en considération donc, là, la taille. Donc, il prend juste en considération l'âge de l'enfant. C'est-à-dire donc, on va comparer un enfant à un enfant du même âge, au poids d'un enfant du même âge. Mais il ne prend pas en considération donc, là, la taille. Donc, l'indice qui suit, donc, qui est l'indice donc, là, de Waterloo, par contre, donc, il prend en considération donc, là, la taille. Et généralement, c'est celui qu'on utilise donc, là, le plus par rapport donc, là, au Gomez. Donc là, donc je vais vous expliquer donc là sur la courbe, donc là, comme ça vous puissiez comprendre. C'est un peu plus compliqué que le Gomez, donc là, mais soyez attentifs, donc vous pourrez éventuellement comprendre. Donc là, on ne prend pas en considération l'âge de l'enfant, mais on va commencer par se repérer par rapport à la taille de l'enfant. Donc on prend donc un garçon donc là, qui mesure donc là, 100 cm, d'accord, et qui pèse donc là, 11 kg. Donc peu importe donc là, son âge, donc là on sait qu'il est âgé donc là, de 4 ans, d'accord, mais. Là, le poids actuel de 11 kilos, et on va le diviser par le poids idéal pour la taille. Donc, le poids idéal pour la taille. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va se dire? On ne se dit pas, cet enfant donc là, de 11 kilos, cet enfant-là donc là, de 4 ans, au même âge, il devrait peser combien? Mais on va se dire, cet enfant-là qui mesure 100 cm, c'est-à-dire qu'il mesure donc 1 mètre, il est censé peser combien? Donc le 11 kg, donc on va le diviser par le poids qui correspond à la taille. Et pour obtenir donc le poids qui correspond à la taille, donc on va extrapoler. Donc là, vous êtes obligé d'avoir donc les deux courbes qui sont superposées. Vous avez donc la courbe de la taille ici et la courbe de poids qui est en dessous. D'accord? Vous prenez donc les 100 cm ici, vous les extrapolez toujours. Vous prenez donc là la courbe qui est au milieu. D'accord? La courbe donc là, qui est au milieu, qui correspond donc à l'idéal, donc à ce qui est idéal, à ce qui est donc la moyenne, d'accord? Donc, et vous faites descendre donc votre flèche, donc vous faites correspondre toujours la médiane du poids, d'accord? Vous faites correspondre donc les deux médianes, la médiane donc là, de la taille et la médiane donc là, du poids, d'accord? Pour essayer d'obtenir, de connaître quel est le poids idéal de cette taille. Donc là, cette taille-là, donc là, de 100 cm, donc elle normalement doit correspondre donc, à un poids idéal de 16 kg. D'accord? Donc 16 kg et donc ici, donc on va diviser donc là, les 11 kg de l'enfant par 16 kg. 16 kg, c'est le poids idéal d'un enfant qui mesure 100 cm et non pas le poids idéal d'un enfant qui est âgé de 4 ans. D'accord? Donc le Gomez, donc on divise par le poids idéal de l'âge de l'enfant et le Waterloo, c'est le poids idéal pour la taille. D'accord? On obtient 69%, c'est-à-dire donc une 69%. Donc ici, on est là, c'est une dénutrition donc là, qui est considérée comme modérée. Donc là, une dénutrition avérée, donc là, ça c'est une autre dénomination. Donc on va garder juste à l'esprit donc pour essayer donc là, de classer donc là, cet enfant-là. D'accord? Donc on essaiera donc là, de faire des exercices. Donc là, si on a l'occasion d'aborder ça dans la révision, donc à l'occasion de la DTD, donc là pour que vous puissiez donc là, vous exercer sur ça. D'accord? Voilà, donc ça c'est les deux indices qu'on peut utiliser, mais surtout donc la loi Waterloo puisqu'il prend en considération la taille. Donc on a un autre indice qui est donc la taille T sur A, c'est-à-dire donc la taille de l'enfant sur la taille attendue pour l'âge, c'est l'équivalent du Gomez mais en taille. D'accord? C'est l'équivalent du Gomez en taille, c'est-à-dire que on va prendre par exemple un enfant qui mesure par exemple donc qui est à l'âge de 4 ans et qui mesure par exemple 95 donc, un centimètre, eh bien, on va diviser les 95 centimètres sur les 100 centimètres qui est la taille idéale pour cet âge donc, là, de 4 ans. D'accord? Donc, c'est la même chose que pour le Gomez. C'est la même chose que pour le Gomez. La seule différence, c'est que ici, on a des tailles et non pas des poids. Tout simplement.
Donc, on fera des exercices sur ça. Et là, l'intérêt donc, là, de cet indice-là, c'est de juger de la chronicité de la dénutrition. C'est-à-dire que si ce rapport-là donc, est faible, s'il est inférieur à 90%, ça veut dire quoi ? Ça traduit donc, que la dénutrition a duré suffisamment longtemps pour retentir sur la croissance, donc la staturale. C'est-à-dire que cet enfant-là a vu donc, là, sa taille ralentir donc, là, du fait de la chronicité de cette dénutrition. Un dernier indice qu'on peut utiliser et qui est utile si on ne dispose pas donc, là, de courbe, si on n'a pas de courbe donc, là, à disposition, de courbe de croissance, ou bien si l'enfant, par exemple, présente donc, là, des œdèmes. Vous savez, donc, là, quand on a des œdèmes, c'est susceptible donc, là, de fausser donc, là, la prise de poids. Donc, là, le poids peut être exagéré du fait de l'existence des œdèmes et on n'a pas réellement une appréciation donc, là, du poids réel donc, là, de cet enfant. Dans ce cas-là, cet indice est particulièrement donc, là, intéressant puisqu'il suffit donc, là, de mesurer donc, là, le périmètre brachial donc, là, de l'enfant et de mesurer son périmètre crânien, d'accord, et de faire le rapport donc, là, de périmètre brachial sur périmètre crânien. Donc, le rapport obtenu doit être supérieur donc, là, à 0,3. Si ce rapport donc, est inférieur donc, là, à 0,3, on peut être en situation donc, là, de dénutrition. D'accord ? Il est facile, donc il suffit donc de prendre donc un ruban mètre, donc la mesure du périmètre brachial se fait à mi-distance donc du bras entre donc l'acromion donc et dans le crâne, d'accord, et à mi-distance donc on va mesurer donc le périmètre brachial. Le mètre ruban ne doit pas être lâche ni trop serré, d'accord, il suffit juste donc de le déroulé donc là sur la peau. Et puis pour ce qui est du périmètre crânien, donc là où certainement donc là où vous a expliqué donc là pour la mesure du périmètre crânien, lorsque vous avez fait donc là la croissance, donc là c'est le plus grand diamètre donc en passant par les bosses donc la frontale et par l'occiput. Donc ça nous permet donc d'avoir donc une mesure donc là qui peut attester donc là donc de l'état de dénutrition ou pas. Le périmètre brachial seul également peut orienter vers un état de dénutrition lorsqu'il est inférieur à 11,5 cm. D'accord, si on a un périmètre brachial qui est inférieur donc à 11,5 donc à 1 cm, ça veut dire forcément que l'enfant est dénutri. Et ça témoigne de quoi? Ça témoigne notamment de l'amyotrophie, c'est-à-dire que les muscles ici, donc les muscles sont pas suffisamment développé. Donc, on a une situation d'amyotrophie qui a fait que le périmètre brachial est insuffisant. Donc, à côté donc, là, de ces indices donc, là, nutritionnels, on peut également attester d'un état de nutrition donc, en recherchant certains signes cliniques. Donc, les premiers à apparaître donc, sont donc, la fonte du panicule adipeux, c'est-à-dire donc, là, la disparition donc, là, de la graisse qui s'apprécie notamment au niveau des boules d'oubicha, c'est-à-dire au niveau des joues. Donc, vous avez donc, c'est des enfants qui ont des joues qui sont creusées, ou bien en mesurant ce qu'on appelle le pli cutané précipital. Hein. Donc, vous avez donc, au niveau du triceps, donc, on peut mesurer à l'aide de pinces donc, spéciales, donc, là, le pli donc, là, cutané précipital. Vous pouvez également apprécier donc, la myotrophie, donc, l'état des muscles, notamment au niveau des fesses et des cuisses. Donc, chez ces enfants-là qui sont dénutris, eh ben, ils ont donc, la complètement donc une amyotrophie, donc pas du tout donc là, de muscles qui sont développés. Dans certaines formes, on a en plus donc là, de l'œdème, d'accord, donc de l'œdème qui peut se localiser au niveau des membres inférieurs, mais également de l'ascite et un peu partout dans le corps. Et puis vous avez également de l'apathie, et vous avez d'autres signes donc là, de carence, donc là, de la pâleur, donc là, qui traduirait donc une anémie carentielle, une anémie donc là, en fer. Et pourrait également avoir des troubles des fanères, notamment donc une carence donc là, en fer, comme vous avez pu donc là le voir dans les anémies carentielles avec Dr Boutabia. Voilà, donc deux tableaux cliniques peuvent également s'individualiser sur des formes très sévères donc là, de dénutrition qu'on appelle donc là, le marasme et le kwashiorkor, d'accord. Donc c'est des formes donc là, donc très sévères hein, donc, de dénutrition. Donc il y a j'avais ici donc là, un tableau donc qui répertorie donc là, les principales donc les différences donc là, entre les deux. D'accord. Donc vous avez ici essentiellement dans le marasme une fente donc, musculaire avec donc, un aspect de peau sur les os. Donc, je vais vous montrer donc, là, les images qui seront donc, là, plus parlantes. Donc, on n'avait pas d'œdème ici dans la forme de marasme, mais l'œdème est spécifique dans la forme donc, là, de kwashiorkor.
Et puis, donc là, vous avez ici donc là, une appétit qui est conservée, par contre, de la nourriture dans le couche encore. Et puis, là, c'est des enfants qui restent donc quand même assez vivaces, donc qui bougent, qui sont un peu, qui sont plus dynamiques donc, que dans le couche encore, qui sont, par contre, donc, qui ne réagissent pas, qui sont renfermés sur eux-mêmes. Donc, vous avez ici donc des images, par exemple, donc, de marasme. Vous avez donc l'image d'un enfant qui est en dénutrition. Voilà, donc une dénutrition donc assez sévère, donc forme de marasme. Donc vous avez donc la peau sur les os. Vous voyez bien donc la peau à travers donc les os, à travers donc la peau. Vous avez, comme je vous l'ai dit, donc un périmètre brachial qui est très très faible, insuffisant, inférieur à 11 et demi centimètres ou 115 donc les millimètres. D'accord. Vous avez certaines caractéristiques, surtout notamment donc vous avez donc les myotrophies. Vous voyez donc là les fesses qui sont pas du tout développées. Donc on dit qu'ils ont les fesses tristes. Donc il n'y a pas de muscles, pas au niveau donc là, également donc là, des quadriceps. Voilà. Donc vous avez également donc une fente donc là, du panicule. Donc là ça c'est des formes donc là, de donc la marasme. Donc les formes donc là, de kwashiorkor. Donc là c'est des formes donc là, qui s'accompagnent donc là d'œdèmes. C'est des formes donc là œdémateuses avec des œdèmes notamment au niveau des membres donc inférieurs. Parfois donc on a des lésions donc là, avec des carences associées. Par contre par exemple donc on a des carences en zinc qui peut donner comme ça donc là, une acrodermatite. Donc vous avez donc là c'est des enfants qui sont très carencés et qui ça conduit donc là c'est des lésions là. Vous avez ici donc là les typiquement donc qui est très caricatural donc là de l'enfant africain donc là qui a des formes donc là de kwashiorkor avec donc là des œdèmes. Vous voyez donc ici donc là des œdèmes donc qui gardent donc là le godet au niveau des membres inférieurs mais également de l'ascite au niveau de l'abdomen, d'accord, donc mais c'est des enfants qui sont quand même donc là dénutris. Voilà, donc c'est des formes donc là de kwashiorkor. Donc le kwashiorkor en fait c'est plus une carence donc la protéique qui est majoritaire, hein. C'est des enfants qui sont non seulement privés donc de nourriture, mais surtout donc une carence en protéines. C'est des enfants notamment kwashiorkor. Donc là c'est un nom ghanéen donc là qui vient donc d'une tribu donc ghanéenne donc Ashanti donc là, au Ghana et qui veut dire que c'est la maladie qui touche le premier enfant, donc le grand enfant, lorsque naît son frère, lorsque naît le deuxième enfant, puisque la maman arrête donc d'allaiter, puisque donc dans ces populations-là, n'ont pas de source donc d'alimentation autre que le lait maternel. Lorsque la maman arrête d'allaiter le grand enfant, donc pour allaiter donc le second, donc le deuxième, eh ben, et cet enfant-là se voit privé donc de cette principale source donc de protéines, et c'est à ce moment-là que se constitue cette forme donc de dénutrition. Donc les examens biologiques, donc il n'y a pas d'examen biologique donc spécifique hein, qui pour tester pour donc porter le diagnostic de dénutrition. Vous l'aurez compris, donc là c'est uniquement, ça se base uniquement sur l'examen clinique, sur les indices donc là, différents indices donc là qu'on va calculer et sur également la régularité donc et la cinétique donc, de la croissance donc là, sur les courbes. Donc les examens biologiques, certains peuvent être des marqueurs de la dénutrition plus ou moins fiables, surtout donc la préalbumine, donc là, mais généralement donc là c'est des bilans donc là de retentissement ou de carence donc là associée, donc c'est juste pour vérifier s'il n'y a pas une anémie carentielle ferriprive donc là associée ou bien une anémie par carence donc là, en acide folique ou en vitamine B12 ou toute autre déficience notamment donc la phosphocalcique. Donc les étiologies donc là pour les causes donc là de dénutrition devant tout cas donc là d'insuffisance pondérale donc là ou de dénutrition, donc il faudra rechercher donc l'étiologie, quelle peut en être donc la cause. Et dans ce cas-là, donc ça peut être soit une augmentation donc, des besoins, c'est-à-dire donc des besoins qui sont augmentés à un certain moment une période de la vie, soit une réduction donc des apports. Et on peut avoir donc les deux qui peuvent être associés en même temps. Parmi donc les exemples donc là de la réduction des apports, donc l'insuffisance donc là des apports, donc eh bien ça peut être une consommation alimentaire insuffisante, donc ou bien inadaptée. Donc insuffisante, c'est-à-dire que l'enfant ne s'alimente peu. Donc, c'est le cas donc là, des situations de précarité, donc là, d'extrême donc la pauvreté, donc où les enfants n'ont pas accès donc à la nourriture. Donc fort heureusement donc ces cas sont peu courants dans notre société, mais il n'empêche qu'il y a certaines mamans donc qui ignorantes donc et mamans qui sont mamans pour la première fois, qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui peuvent mal
alimenter leur enfant, donc de proposer donc des rations de lait très insuffisantes, peuvent prolonger donc un allaitement sans diversifier l'enfant à partir donc là, de 6 mois, d'accord? Donc il y a certaines erreurs diététiques comme ça qui peuvent s'observer et qui peuvent conduire donc à ces états de dénutrition. Et quand on fait une enquête alimentaire, on s'aperçoit que les ingestats, c'est-à-dire les apports alimentaires, sont très très insuffisants par rapport aux besoins de l'enfant. Ou bien l'alimentation peut être normale, c'est-à-dire en quantité donc la suffisante, mais le fait l'existence d'une maladie digestive, qu'elle soit mal absorptive donc ou de mal digestion, peut donc faire en sorte que ces aliments donc ingérés donc soient mal absorbés, donc soient mal digérés. Donc c'est le cas par exemple donc de pathologies comme un grêle court, donc avec un intestin grêle qui est en longueur insuffisante et donc pas ou peu d'absorption, donc une maladie cœliaque par exemple, ou bien une maladie donc de la motricité donc intestinale. Donc toute pathologie digestive donc chronique peut également donc entraver donc l'absorption donc et l'apport donc alimentaire. Et puis en plus de cette réduction des apports, donc on peut avoir donc une augmentation des besoins. Mais cette augmentation des besoins, elle s'observe donc essentiellement chez des enfants qui ont une maladie lourde, chronique, infectieuse, inflammatoire, tumorale donc et ou bien cardiaque. Donc l'exemple type c'est la pathologie cancéreuse, donc c'est des enfants cancéreux, ou bien les malades qui ont des cardiopathies congénitales. Et ces pathologies-là, elles augmentent donc les besoins. Donc il y a un état inflammatoire qui est quasi constant. Il y a des dépenses importantes du fait de leur maladie. Et si les apports alimentaires ne sont pas augmentés, si les apports alimentaires ne sont pas bien étudiés, donc à ces enfants, pour ces enfants-là, eh bien, ils peuvent souffrir donc de dénutrition. Alors, également, les enfants, même s'ils n'ont pas de pathologie chronique, donc le fait donc d'être hospitalisés donc là souvent, ça expose également un état de dénutrition, puisqu'à l'occasion de ces hospitalisations, l'alimentation, donc là, je vous ai énuméré donc toutes les causes possibles donc là, qui sont inhérentes donc à l'hospitalisation et qui peuvent, dans ce cas-là, favoriser donc là cet apport alimentaire insuffisant, les gestes donc invasifs, donc le fait d'être prélevé, le fait de subir des gestes invasifs, donc des ponctions de moelle osseuse, des ponctions lombaires, des ponctions veineuses donc régulières. Donc l'enfant est souvent douloureux, l'ambiance, le climat n'est pas favorable donc à une alimentation. Donc l'enfant perd son appétit, du fait également des fois des traitements de chimiothérapie, l'enfant est souvent nauséeux, il a des vomissements, il peut avoir donc là, des mucites, donc là, des aphtes également qui peuvent entraver donc là, la prise alimentaire. Donc là, toutes ces situations-là, toutes ces causes-là peuvent conduire à un état d'insuffisance pondérale. Et si l'enfant n'est pas surveillé par rapport à ces aspects-là, eh bien, l'enfant va être dénutri et au contraire donc, va aggraver sa pathologie et va faire en sorte que les traitements seront donc moins efficaces. Voilà, donc quels sont donc, les moyens donc, là, pour alimenter donc, là, un enfant qui est en dénutrition. Donc, il s'agira bien sûr donc, là, de lui apporter donc l'alimentation dont il aura besoin. Eh ben on a plusieurs différentes donc la moyen donc d'alimenter l'enfant. On peut le nourrir donc uniquement par la bouche. On peut utiliser donc la voie entérale, c'est-à-dire par le biais d'une sonde, soit d'une sonde nasogastrique qu'on introduit donc là par le nez, soit par une gastrostomie, c'est-à-dire on fait un trou à travers donc la peau, un trou donc à travers la peau vers l'estomac, et on l'alimente à travers donc la sonde qui est introduite directement dans l'estomac. Ou bien la nutrition parentérale. Donc là, on utilise donc là, la voie veineuse donc la centrale, une voie veineuse donc la centrale. On met en place donc là, un cathéter donc la centrale et on utilise donc là, ces poches donc la spéciale de nutrition donc la parentérale. Ce ne sont pas insoluté, ce n'est pas du sérum salé ou du sérum glucosé. C'est carrément de l'alimentation. Ça apporte des macronutriments, des glucides, des lipides, des protéines. Et ça permet de nourrir l'enfant. Et le choix de ces situations-là dépend bien sûr de la pathologie à l'origine donc là, de la dénutrition, mais également du tube digestif. Peut-on utiliser le tube digestif ou pas? Donc, certaines pathologies, par exemple, si on a une pathologie de l'œsophage, une pathologie donc là, de l'œsophage qui ne permet pas d'utiliser donc l'œsophage, donc on pourra recourir par exemple à une alimentation par gastrostomie. Si on a un tube digestif, un intestin
qui ne peut pas du tout absorber ou qui ne peut pas absorber ou qui est insuffisant du fait d'une trouble de la motricité, ou bien il y a certaines maladies graves donc, là, qui entraînent donc, la dysarthrie vélocitaire. Donc là, il est impossible d'utiliser le tube digestif, donc l'enfant ne pourra pas absorber par son intestin, ne pourra pas utiliser son intestin grêle, ou bien du fait de résection donc, importante, donc il y a certaines interventions chirurgicales qui entraînent une résection donc, du grêle, par exemple des invaginations intestinales ou bien des volvulus, donc on est obligé donc, là, de réséquer donc l'intestin. Et là, l'enfant se retrouve avec un intestin grêle qui est très très court, avec de quelques centimètres, et qui n'est insuffisant pour pouvoir absorber. Donc là, on est obligé donc d'utiliser donc la voie parentérale, donc et de recourir à une alimentation par ces cathéters donc la centrale. Donc là, on choisira donc en fonction donc de la situation de l'enfant. D'accord? Il faudra bien sûr faire attention à une renutrition, le syndrome de renutrition inappropriée, c'est-à-dire qu'un enfant, un organisme qui a été privé longtemps d'alimentation, n'est pas question donc là, lui administrer de fortes quantités donc là d'alimentation ou une forte densité énergétique d'emblée. Ça peut exposer donc à ce qu'on appelle un syndrome de renutrition inappropriée, avec une rétention hydrosodée, avec des troubles hydroélectrolytiques, avec de l'hypophosphorémie et pas mal d'autres anomalies. Donc la quantité donc à donner donc doit être progressive. Vous avez donc là ici donc une règle particulière donc qu'on appelle la règle des 100, 50 et 25, c'est-à-dire que en fonction donc là du poids attendu pour la taille, c'est-à-dire donc on prend la taille de l'enfant et on va chercher quel est donc là le poids idéal pour la taille, de la même manière qu'on procède pour l'indice donc là de Waterloo. Souvenez-vous donc pour l'indice de Waterloo, toujours on va prendre la taille et on va chercher quel est le poids idéal pour la taille et non pas le poids idéal pour l'âge. Donc ce poids idéal pour la taille va être le poids cible. Et ce poids cible, s'il est situé entre 0 et 10 kg, eh bien, on va apporter donc la 100 kilocalories par kilo. S'il est entre 10 et 20 kg, donc on va utiliser cette formule-là. Et s'il est au-dessus de 20 kg, on va utiliser cette formule-là. Donc ça, c'est le poids. On obtient donc là le poids ici. Vous avez donc là un exemple, un enfant donc là, de 22 kg. D'accord? Donc dans le poids cible à atteindre est de 22 kg, eh bien, il faudra bien sûr lui apporter 1500 calories, auxquelles on rajoutera 2 kilos qui dépassent les 20, donc au-delà de 20 kg, au-delà de 20 kg, donc ça sera 25 kilocalories par kilo. Donc là, il dépasse les 20 kilos de 2 kg, donc on multipliera 2 par 25, donc on obtient 50, donc 50 calories, kilocalories, qu'on rajoutera aux 1500, on obtient donc les 1550 kilocalories par jour à apporter. Ces 1500 kilocalories par jour permettent d'atteindre donc là le poids de 22 kg, sauf que, comme je vous l'ai dit, donc il faudra aller progressivement et on va commencer tout doucement. Les premiers jours, on va donner 25, 250, puis 500 calories, puis 1000 calories, puis 1250 calories pour atteindre donc les 1500 calories. Là, c'est l'intérêt donc là, donc de collaboration avec une diététicienne, bien sûr, qui se chargera de ça. Donc, juste pour répondre à certaines questions, donc le Waterloo donc là, n'est pas le témoin d'une dénutrition chronique. Donc, juste, il permet donc là, juste de faire le diagnostic et d'attester donc là, de la dénutrition. Donc, la chronicité, c'est le rapport T sur A, c'est la taille sur la taille attendue pour l'âge. Hein. C'est elle, donc, quand elle est inférieure à 90%, c'est elle qui atteste de la chronicité. D'accord? Et ne permet pas d'orienter vers l'étiologie d'une maladie inflammatoire. La maladie inflammatoire intestinale, son diagnostic, donc, il est à part. Hein. Donc, c'est un diagnostic qui se fait à part. Il est soit endoscopique, soit par imagerie. D'accord? Voilà. Donc, juste on enchaîne pour ne pas donc, être coupé, donc, puisqu'il nous reste qu'une minute. Donc, juste, donc, on essaiera bien sûr là aussi de faire des TD hein, sur ça pour essayer un peu donc, là, de fixer les idées. Donc, juste garder à l'esprit que pour détecter donc, une insuffisance pondérale ou bien une dénutrition, il faut tout simplement peser et toiser un enfant régulièrement, surtout s'il est malade, même s'il n'est pas malade, mais surtout s'il est malade, s'il vient régulièrement en consultation, et de vérifier la régularité de sa croissance en rapportant ça sur les courbes. Ce n'est que comme ça qu'on pourra donc détecter rapidement et prendre en charge cet état de dénutrition. Voilà. Donc, il ne me reste qu'à vous souhaiter bon courage pour la suite, d'accord? Et peut-être qu'on aura l'occasion donc là d'en reparler prochainement. Voilà. Je vous remercie et à bientôt, Inch'Allah.